Alors pour composer au piano, tu peux déjà prendre une suite d'accords qui fait partie d'une tonalité. Par exemple, là, je suis en train de jouer les accords qui font partie de la tonalité de Do majeur. Alors, la gamme de Do majeur, bien sûr, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Par exemple, si je joue l'accord de Do, Do, Mi, Sol, l'accord de Fa, Fa, La, Do, et puis je vais tout faire tourner en boucle uniquement donc ces deux accords. À la main droite, tu vas chercher une mélodie, tu vas prendre le temps de chercher une mélodie qui fait partie de la gamme de Do majeur, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tu prends vraiment le temps de faire quelque chose de simple, mais de beau qui te plaise. Par exemple. Tu peux aussi, quand tu as trouvé un motif mélodique, le répéter. Ça peut être comme ça, finalement, une espèce de leitmotiv qui revient et qui va venir donner une identité à ta composition. Parce que l'idée, ça va être de trouver différentes parties, un thème principal, une mélodie principale qui va revenir, un petit peu comme une chanson. Tu peux le penser comme un couplet, un refrain. Voilà. Pour aller plus loin, rends-toi sur le site formation-clavier.com et rejoins ma liste de contacts email. Tu recevras mes secrets piano, des bons plans sur mes cours à la carte et tu seras informé de la réouverture des inscriptions au cursus GM Piano.